Oui, Alain, je suis le responsable produit carnet du Leclerc Gaïs-Possagne. Je m'occupe du rayon boucherie volaille. Bobéric, ferme de l'Obofel Gaïs-Possagne, éleveur d'Angus. Novatic Kevin, responsable du rayon libre service. On a commencé notre cheptel en 2012, en septembre 2012, en achetant deux vaches. Et aujourd'hui, on en compte, je pense, une soixantaine de mères. La suite, plus les bêtes qu'on engraisse. Hein. Donc un total de environ 160 bêtes. Je pense que notre viande est exceptionnelle suite au fourrage qu'on fait tout à base d'herbes, donc de foin, de regain, de luzerne et les céréales qu'on produit sur la ferme. Et un bien-être animal, de la paille à volonté, à manger à volonté, ce qui fait que je pense qu'on arrive à un bon résultat. On ne peut pas faire plus local, donc élevé à Gaïs-Pulsheim, né à Gaïs-Pulsheim, vendu à Gaïs-Pulsheim avec notre partenaire Leclerc Gaïspo, quoi. Donc on ne peut pas faire plus court, quoi. Notre journée d'aujourd'hui, c'est réveil à 5h, un café, 5h15 dehors. On a préparé une bête pour le Leclerc, 6h moins le quart, le camion est arrivé. 6h, la bête était chargée, on a remis tout en place, les bêtes sont paillées. Nourri, 8h30, tout est plié, café, petit déjeuner. Notre journée, ben, c'est les travaux de fenaison. On est de mai à juin, c'est tout ce qui est foin, regain et luzerne. Et d'ici deux semaines, on va attaquer tout le stock de paille nécessaire pour pailler nos animaux pendant toute une année. Donc le matin à 5h, l'équipe boucherie rentre en magasin. On fait la réception de toutes les marchandises et on commence à découper toutes les viandes pour achalander différents rayons du pro-service et traditionnels. À ma journée type, je viens le matin à 5h. Je fais la découpe de tout ce qui est viande de Gaïs-Pulsheim pour que ce soit en libre service à 8h dès la venue des premiers clients. On a commencé avec une bête au mois de février donc 2020. Pour arriver aujourd'hui à la sixième bête, mi-juin. Généralement, je commande ma viande 15 jours à l'avance, le temps d'organiser l'abattage, le transport. Et donc aujourd'hui, on passe à peu près à une bête tous les 15 jours. Et au début, c'était une bête pratiquement par mois. Donc le client a commencé à s'habituer à cette viande. Donc, nous avons choisi l'Angus de la ferme d'Oberfell, de Gaïs-Pulsheim, justement pour le local et pour les circuits courts. Et comme l'Angus est considéré comme une des meilleures races bouchères au monde. Mon Angus, c'est Gaïs-Pulsheim. Ma viande, c'est Gaïs-Pulsheim. Mon magasin, c'est Gaïs-Pulsheim.